C'est un fameux 3K. Pas comme un oiseau, il sait. Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Alors avant de démarrer tout de suite la mission, je voulais juste regarder un truc. Ça se passe au niveau en dehors de l'animus. Je voulais regarder s'il y avait des nouveaux trucs. Ou aller voir où, des nouveaux trucs comme les figurines par exemple, je ne sais pas si je vous les ai montrées. Ou tout simplement pouvoir aller chercher des QR codes dans des zones où on n'avait pas forcément un droit avant. Je sais pas s'ils nous sortent directement ou comment ça se passe. Bon apparemment non. Je vais être très bref, regardez. Lui, c'est un geek. Même si c'est chouette. Donc les amis, nous voilà pour l'épisode numéro 8. Oui, bon, je pense que tout est fermé, donc on va retourner directement dans les news. Je suppose que quand il y aura un truc intéressant, ça me connectera automatiquement de la news. Je suppose, je sais pas. On verra bien. Donc, on y retourne. Yes! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre l'épisode 7 et l'épisode 8, disons que j'ai joué, j'ai tourné l'épisode 7 il y a quoi, 30 minutes à tout casser, un peu plus, je dirais, ouais, allez, on va dire 40, 45 minutes. Et donc, j'ai un peu avancé, pas dans l'histoire, mais bien sûr, je vous attendais pour l'histoire. Et voilà, j'ai découvert cette île. J'ai fini cette île à 100%, celle-ci à 100% aussi. Les autres, je les avais déjà. Celle-ci, il faudrait que je la finisse à 100%. J'y ai pas pensé. C'est vrai que. Et bien sûr, j'ai attaqué le fort. Que vous verrez dans la deuxième partie de la play. Disons qu'en fait, j'ai voulu faire une mission assassinat du port de pêcheurs. Et en fait, fallait que je tue le mec qui est. Un mec qui était dans cette zone. Du coup, je l'ai fait comme ça. Et je l'ai enregistré bien sûr, et elle sera postée. Vu que j'ai mis environ 10 minutes pour la faire, je pense que j'en posterai deux autres forts. Je pense que les deux autres forts faciles ici. Je sais pas trop encore. Donc voilà, on se retrouve ici sur une île. Et donc on est juste de faire je ne sais plus quoi avec le bateau, je crois. Ah oui, attaquer la plantation, voilà. J'ai attaqué une plantation, j'en ai pété une deuxième aussi. C'est dommage, je l'aurais bien enregistré, mais bon, en plus je me suis trop bien démerdé, laisse tomber. Il n'y en a pas un qui m'a vu, je les ai tous pétés, il n'y a plus personne sur le truc de plantation. Je sais pas s'ils reviennent. Enfin bref. Et donc là, on retournait les voir sur une île totalement random, en plein milieu de nulle part. Voilà. Donc voilà ici. D'ailleurs en plus je suis arrivé de nuit, c'était beau la nuit. Et ça c'est une carte que j'ai trouvée. À notre république pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces Templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, Kanoé. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritable défense. Prendre un galion, placer tous ces canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as rien en tête? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent. Donc voilà. Là, on part en quête d'aller chercher un galion. Que puis-je vous dire?
J'avais un truc. Ah oui, ouais. Après avoir attaqué le fort, j'ai vu qu'il y avait des navires légendaires, j'en ai vu un, qui s'est débloqué sur la map. Alors ça m'intéresse beaucoup, je verrai si je les rajoute dans les attaques de fort, enfin. Si je les rajoute, si je trouve que c'est intéressant ou pas. S'il y en a beaucoup, par exemple, je le ferai pas, c'est s'il y en a 3-4, là, je les rajouterai à la fin des attaques de fort, et puis. Ouais. Donc sinon, j'ai amélioré mon bateau. Je sais pas si ça se voit. Donc j'ai rajouté quelques petits trucs. Ça par exemple, je sais pas si ça veut. Enfin si on va voir devant, normalement devant. J'ai rajouté un éperon. Il est encore qu'au niveau 1, donc bon c'est pas un truc. Sinon j'ai amélioré les boulets, la vie, etc. Enfin je l'ai vraiment amélioré, ça fait que j'ai même plus de sous quoi. Mais bon là je commence à avoir un bateau digne de ce nom. Jacques a fière allure. Tu l'as pris aux Espagnols, c'est ça? Aïe. Au beau milieu d'un ouragan. Juste avant que la flotte du trésor finisse brisée sur le rivage. Elle transportait autant de richesses qu'on le raconte? 1000 fois plus. La mer a englouti plus d'un million de livres de trésors ce jour-là. Le diable aime les ouragans. J'irai y plonger un jour, histoire de voir ce qu'on pourra remonter. Plonger dans les épaves, ce serait pas une mauvaise idée. J'ai besoin de prendre des risques face au navire marchand. Ah, des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate. Mais je dois dire que je suis d'accord. On réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Alors là, faut que je regarde les. Pour le moment, j'ai pas de. Donc je peux me faire repérer. Au pire, je le pèterai. Ils sont, capitaine. Nos ennemis patrouillent ces eaux. Il commence à pleuvoir. C'est magnifique. Oh là 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 là. Et je me lasserai jamais de le dire. C'est vraiment magnifique. Pleut et tout. On voit les gouttelettes qui tombent. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y pense, les amis, je sais pas si cette vidéo sera sortie. En tout cas, là c'est le 22 mai. Je vais faire en avance pour le sortir un peu plus tard. J'en sors que à peu près tous les 4-5 jours. Enfin, bref. Mais d'ailleurs, mon voyage sera pas sorti. Mais je vous prévois, ça sera mis sur mon Facebook au pire. Je vais aller chercher Wildjoy et puis je vais commencer à faire des vidéos dessus. Du coup, voilà. Ah, ça n'est plus le gars. Manoware. Ce navire est un vrai monstre. Regardez un peu sa taille. Aïe. On ne fera pas long feu face à lui. Tu m'entends, Kenway? Reste à distance. On attaquera quand la fortune nous tendra la main. Ou quand la nuit sera tombée. Aïe, ça se pourrait bien. Je vais me faire chauffer. Oh là là. Gardez les huniers. Oui, on va se rapprocher un peu. Perlez, c'est une perroquette. Allez, allez. C'est vrai qu'il est immense. Toute la toile, il peut le supporter. Desserrez, donnez de la toile. Attention, grâce. Voilà. Là on est bien placé. Donc voilà, on suit le galion. C'est un immense bateau, il fait je sais pas combien de fois le mien. Je sais pas si j'en ai vu un depuis le début du jeu. Ah ben voilà. Il est vraiment immense. Et donc j'ai prévu de faire White Jog et je pense que je vais mettre la. Je le sens. J'espère que ça sera pas comme Assassin's Creed, par contre que t'auras le droit quand même de tuer des citoyens et tout comme tu peux dans GTA. Non, c'est vrai que ça casse un peu le. La liberté. Oh putain. Bon. Diminuez les voiles. Carguez la misaine. Oh là là.
Carguez les bonnets, vivement! Voilà des ennuis! Allez, on... Ah là, c'est qui par contre? Reste à bonne distance! Ah, je suis chopé un peu de ok, on va les claquer. Touche-le au bon endroit, il va disparaître! What? What the fuck? Je suis sans être détecté, ok. C'est. Oui, enfin. C'est sous l'eau. Bon, ça va, on est ici. J'espère que je vais avoir de la chance et qu'il n'aura pas un pour me casser les couilles. On va commencer à se prendre des tourbes. A mon avis, on va attendre qu'ils se prennent un éclair sur la gueule ou un truc dans le genre. Je le sens. Un éclair ou une grosse vague. Tout le monde à la toile. Parce que si je vais essayer de pas me faire avoir, je savais pas que si je vais repérer, faisait ça. On va longer la militaire. En fait, le bateau, tu regardes, tu passes plus de temps. Enfin, sauf quand tu t'attaques pas. Enfin, sauf quand t'es pas en mission. Mais... Sinon, tu passes plus de temps à longer. À regarder la mini-map que. À regarder le vrai jeu. Ah oui, j'ai rajouté des canons aussi sur mon bateau, enfin bref, ça commence à devenir un bon petit truc quoi. On est encore loin de celui qui a l'homme là-bas, mais... On va avoir vite fait de se barrer, parce que sinon on va passer le rouleau. Regardez-moi, il est... Oh. Pas comment on... À ce temps-là, je sais pas comment ils faisaient pour faire des bateaux pareils. Regardez la map, à mon avis, il y aura peut-être une avis. Ah non. Pardon, excusez-moi. Oh merde, non, non. Ouais, j'espère qu'il n'y a plus beaucoup de kilomètres parce que là, je vais mourir de vieillesse avant de pouvoir mettre un pied sur ce bateau. Ah, ça y est, j'ai l'impression qu'on... Cargaison à la dérive, on arrive et qu'il y a un peu de terre. Peut-être qu'il va se poser là. C'est long, hein. 14 minutes quand même qu'on est derrière son cul. Oh, attends, 14 minutes non plus. Ah, allez, là. Un rascal qui n'a peur de rien. Un vieil ami à toi? Plutôt une vieille connaissance. Je veux dire, la vie que ses mères ont fait si longtemps, j'ai fini par le respecter. La vache. Évitez de faire des morceaux. Sous le feu d'un mortier, la zone des dégâts est représentée d'un cercle dans, sur le. Les zones jaunes annoncent. Allez, 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 si vous avez vous êtes mort. Donnez-moi de la vitesse!
Et là, j'ai toujours pas de... Non. L'autre, il a quand même pris cher dans son... cul. Son bateau. Oh, purée. Amenez-moi de la toile, capitaine, débarquez la toile au vent, lâchez tout. Oh. Non, non, bonne plus de tonne, bonne plus de tonne. Gargueux, arrêtez-moi, vite. Les perles, Charles Vane, par la queue entre les jambes. Utiliser une bordée. What? Couler des navires au boulet explosif. Utiliser une bordée pour couler deux navires. C'est quoi ça, une bordée? Ah oui, d'accord, je crois que ça veut dire... Il va falloir s'occuper de ces moustiques au plus vite. Oublie le galion et envoie ses intrus en enfer. Vite, 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 tourne, 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 tourne. Ils sont trop loin. Hop, prenez-vous ça dans la gueule. Allez, go! Oui, c'est bon. Avec des boules explosives, comment on fait pour mettre des boules explosives? Comment on fait pour mettre les boules explosives? C'est pas par ici. Barrière explosive. Envoyez toute la toile en route. Il tire une bordée, attention! Ah, peut-être... Attention, crasse! Ils sont forts! Il reste que des planches! Ça fait un. De couler les navires au boulet explosif. J'ai le boulet explosif déjà. Explosif à quoi? Génial. Et comment on fait pour les mettre? Shit. Peut-être si juste par là. Juste par là. Si juste par là. Juste par là. Vous y croyez, vous, à ça? Je ne sais même plus comment on tire les boulets. Munitions. Boulets explosifs. J'en ai 20 sur 20. Option. Comment. Oh là là, obligé de faire ça. Affolant, affreux, affreux. Canard extérieur, non. C'est une position plus. Base de données, c'est pas ça. Emmanuel. Comment m'avait. Tire lâché sa vérité pour me surprendre de tirer. Caméra à gauche ou droite, boule explosive.
Caméra vers poupe, boulet chez nous. Caméra vers poupe, bye. Champ de marbre. Des pocketures. Quoi, c'est posé? Ouvrir, interagir, caméra. Déplacement, ok, rien d'intéressant, ok. On se presse, rien armé. C'est signé, oui. Ouais, bof, on est pas dans la merde. C'est pas ça, je parie. Couler des navires au boulet explosif. Il reste que des planches. Gardez les catatoires et les lumières. Bon ah, allez, d'accord, ça veut peut-être dire qu'il faut que je tue comme ça. Mais alors, ça m'étonnerait. On est paré, capitaine. Bonne voix. Si vous êtes, ma friend, couler des navires au boulet explosif. Il reste que des planches. Comment? Feu! C'est le boulet explosif, ça, ou... Se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Julien Ducasse, le Templier? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane. Et il se demandera qui le commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord. Bon, ça fait 22 minutes. Non. Comment je peux faire? Recharger, je vais essayer de faire ça. Les amis, je ne garantis rien. Et si ça fonctionne, je suis content. Allez, vas-y, ramène-moi là-bas. Choule. Bon, allez, hop. Oh merde. Oh, ils m'ont ramené trop loin. Je dois dire, la vie que c'est merde depuis si longtemps que j'ai fini par le respecter. Hop, ils vont se péter, on va comprendre. Faites de beau rire. Ça veut dire ciao. Get away, des mortiers. Brisez la toile. Ah, il est tôt là, ma fille. Oh là là, je suis pas passé loin tout ça. Hop, ça c'est fait, il y en aura un troisième, je crois, qui est passé. Gardez les lumières! C'est fermé la grande voile! C'est fermé les dernières derrière toi! Voilà, il y a des gens qui vont arriver. Charles Vane, qui part la queue entre les gens. Voilà enfin une bonne nouvelle. Ah, d'accord, c'est ça. Ok, je lis. Il va falloir se couper. Hop.
Donc ça, ça fait un déjà. Il tire sur nous. Voilà, toi t'es bien affaibli. Il tire une bordée, attention! Coupe la toile, la main dessus! Voilà! Hop! Et Tom, Tom est mort. Il est par ici. Voilà. Et des mesures ici. Voilà. Ça y est les amis, je l'ai réussi vite fait. Comme ça, on dépasse pas les 30 minutes. Là franchement, chapeau. Je m'attendais pas à la réussir direct. Il se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Julien Ducasse, le Templier ? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane. Et il se demandera qui le commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord. Et voilà les amis, j'ai réussi, et là je suis content, parce que je ne m'attendais pas à la réussir une deuxième fois, enfin, bien une, de la deuxième fois. Donc, ben, je vous dis au revoir, portez-vous bien, et à la prochaine mission, où je pense que on va attaquer le galion de l'intérieur. J'ai un accent de merde, mais je le vois bien. Voilà, c'est tout les amis, je vous laisse, portez-vous bien, encore une fois, et... De retour pour la mission 8. Je vous dis ciao les amis, bye. Puis...